On ne devrait pas traîner. L'Empire menace le sanctuaire du pèlerin. Salut les Volcaniens, c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau live. Je vais toujours enchaîner ces deux phrases. Dans Star Wars Jedi Survivor. Alors j'ai marqué les archives parce qu'en fait comme accro j'avais vu que c'était écrit les archives. Mais strictement rien à voir dans le titre. Étant donné qu'on est parti, on est censé faire quelque chose mais je ne me souviens plus quoi. La musique j'ai l'impression qu'elle est hyper forte là. Objectif, atteignez le sanctuaire du pèlerin. Le sanctuaire. Alors, on va rectifier ça vite fait. Parce que... Voilà, quoi. C'est un peu con. Nickel. Hop, enregistré. Voilà. Non, maintenant, on est bien. Donc, on se retrouve après une courte pause, si on peut dire ça comme ça. Impressionnant, non? Oui. On va pas constamment. Le sanctuaire du pèlerin est un temple ancien. C'est Cordova l'ont choisi pour servir de refuge au passage. On savait que l'Empire viendrait un jour, mais pas aussitôt. Et du coup, ouais. Ouais, du coup, on prend l'autre porte. On se retrouve après une courte pause, hein, parce que du coup. Il y a eu le week-end avec Booby Pig, etc. qui n'était pas là. Bon, de Disney, on n'a pas pu faire tout de suite. Après, vous avez vu qu'on s'est vite rattrapé. Mais moi, j'ai pas pu faire Star Wars, je vous l'avais dit, parce qu'en fait, je partais, etc. Donc, je pouvais pas être là. Le jour où on le faisait. Donc, voilà. Ah, si, quoique, non, je dis n'importe quoi. On l'avait fait lundi. C'est juste Dead Island qu'on l'avait pas fait. Dead Island. Ouais, c'est juste ça. Donc, j'ai rien dit. J'ai rien dit, je vous dis n'importe quoi. Si tu dis pas de bêtises, je l'ai fait truc. Donc c'est pas une courte pause mais j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on a fait de trucs. On a pu faire le mercredi vous voyez, pour avancer un peu plus. Mais du coup le mercredi j'étais pas là, j'étais en... C'est surtout pour ça je pense. Attendez, il y a un truc là-bas mais je peux pas l'ouvrir. Passage du désert. Le pèlerin est de l'autre côté du désert. Par contre vous voyez du coup, hop, là on arrive enfin en bas. Donc là on peut accéder plus ou moins à la rumeur. Parce qu'en fait le chemin là c'était un troll. Attendez. Le chemin là, ouais, ici. C'était un peu un troll, parce que du coup, en fait, on pouvait pas du tout accéder vers la rumeur, et c'est seulement par ici. Donc j'ai bien fait de partir, la dernière fois. Bon, j'ai quand même été voir, mais... J'ai bien fait de partir. Parfois, tout ce qu'il y a dans le désert commence à se ressembler. Concentre-toi sur ce qui est différent. Comme ça, tu ne te perdras pas. Hop, installation. Ah, parce que nous, on est arrivé là-bas, je crois. Et je pouvais pas descendre, du coup. Et je sais pas si d'ailleurs est-ce que je peux monter ou pas. Non. Du coup. Là on va avoir un point de méditation, les plaines arides. Voilà notre monture. J'allais dire on va avoir une monture aussi. Il n'y a que la force. Ah ex des glitchers, salut, ça va et toi? Toujours sur ce jeu, bah ouais, je l'ai toujours pas fini pour l'instant, donc il prendra un peu de temps. Pour le coup, je vais pas te mentir, mais ouais. Là, entre les deux Let's Live qu'on est en train de faire, le prochain que j'ai bientôt terminé, c'est Dead Island. Ça va, j'ai séché pour une heure, donc ça va, c'est bien. Tu vas faire du BO3, bah aujourd'hui, je sais pas, parce que de base, j'allais en faire hier. Faut voir le temps que je fasse ce live. Allez, peut-être moyen, je suis pas sûr, je te confirme pas, mais il y a peut-être moyen que je le fasse après. Parce que hier, j'allais en faire avec Boubibi, mais en fin de compte, ils ont tous voulu faire un club pro sur FIFA, et du coup, c'est parti en club pro, et du coup, j'ai pas fait de live zombie.
ce qui est un peu con. Mais bon, après, c'était bien marré. Et ouais. Mais sinon, il y a peut-être moyen, faudra voir. Et ouais. Alors après, comme t'as vu, je fais un peu beaucoup de séries. Enfin, je fais pas beaucoup, j'en fais deux. Du coup, ça me prend un peu de temps. Du coup, là, celui qu'on a bientôt fini, c'est Dead Island. Périne, normalement, on devait le finir hier, mais on a eu un bug. Ce spamel ne nous abandonnera pas. Ne sois pas et normalement, là. Voilà, tout doux. Après, on sera tranquille. J'aurai plus Dead Island, donc je vais pas faire de séries qui vont remplacer. Je referai un peu de zombies. Parce que c'est pareil, je voulais faire des zombies, des manches sans, etc. Et j'ai toujours pas fait du coup. Forcément, si tu joues à plein de jeux en même temps, tu peux pas tout faire non plus. Ouais, je sens pas notre pote le pêcheur, lui. Merci pour la balade. Alors du coup, il est pas juste sur Kobo, mais il est aussi sur les autres planètes. Fais gaffe, gamin. Skova aussi, alors. On arrive encore au milieu d'une dangereuse expédition. Bah, le poisson serpent sauvage préfère le crabe, mais il dira pas non à tes doigts de pied. Tu penses vraiment que tout ça en vaut la peine? Y a de la beauté dans le péril, gamin. Et ces nobles bêtes méritent le plus grand respect. Tu verras. Allez, fais-nous un petit plongeon. C'est bon, il tape sur le meilleur plongeon alors que nous on a pied dedans. Ça lui plaît ici. Nom d'une cloque salée, vile raclure de moule. Il m'a mordu la nageoire. Saleté d'écailleux, tu vas finir en appât. Je t'ouvrirai avec un couteau rouillé. Tu oublies vite la noble bête qui mérite le plus grand respect. C'est vrai, oui, t'as raison. Je m'occuperai de toi plus tard. On continue mon histoire sordide. Ah, on peut écouter son histoire. Alors, ici aussi. Tu veux savoir ce qui s'est passé sur le Grapnel avec l'équipage du capitaine Wang Yekwet? Je t'écoute. Ah, ma carrière a commencé en trombe. Au moment où le Grapnel est arrivé en orbite, ses sirènes ont retenti. Un navire de la marine plein d'agents a surgi des étoiles pour nous accoster. Qu'est-ce que ça veut dire, a grogné le capitaine? On n'est que des pêcheurs. Pour code de transpondeur, disent pas ça, qu'ils ont répondu. Vous êtes sur un navire signalé volé. Ah, vous nous avez attrapés, a dit le capitaine. Montez à bord et je rendrai ce qui a été volé. Et à peine les marins avaient posé le pied sur le pont du Grapnel, que voilà, le capitaine les a harponnés comme un poisson à la manche. Alors, tu peux pas faire ça avec ta canne à pêche, hein, m'a dit le capitaine avec son sourire sadique. J'ai honte de dire que j'ai ramassé le harpon ce jour-là. Pendant des années, j'ai pas rejeté un poisson à l'eau après l'avoir attrapé. Enfin, c'était jusqu'à... Bah, je t'ennuie à mourir. Je continuerai mon histoire plus tard, gamin. Est-ce que vous pensez que l'on aura un trophée en faisant, en écoutant toute son histoire? Mais ouais, du coup, je sais pas si t'es encore là, avec des glitchers. Mais il y a peut-être moyen après, alors ça dépend si je fais durer ce live ou pas. Ah, il y a un BTP. Ça, je sais pas ce que c'est. Totalement un truc que j'ai pas encore. Mais ouais, à voir. De base, souvent je les fais 2 heures ces lives là, donc peut-être qu'après il y a moyen que j'en fasse un. Mais si je le fais durer, ce sera plus compliqué. A voir, à voir. Bon, on explore un petit peu. Alors, par contre, là-bas, c'est le secondaire. Et le principal, il est là-bas. Bah écoutez, on va faire d'abord le secondaire, vu que la dernière fois, on voulait le faire. T'es déjà venu ici? Oui. Une fois, j'ai sauvé un pèlerin. Au moins, on verra ce qui se cache, tout simplement. Je regarde au loin si on ne pollue pas des échos ou des trucs du genre. Alors, a priori, il y a des Stormtroopers. Des ennemis. Hop. Allons les attaquer. Traînez la colère de Zakami. Nickel. Hop. Point de compétence obtenu, on va pouvoir mettre les deux sabres au max. Ce qui est plutôt pas mal. Bravo.
Voilà, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il voulait scanner ? Bienvenue, voyageur. Si la route est bloquée, cherchez-en une autre. Le repos et la réflexion. Ah, c'est ça le bruit, j'ai entendu. C'est vrai qu'on peut se servir de notre poteau pour qu'elle attaque. Je le fais pas assez souvent parce que j'ai pas vu que ça pas tout le temps là, je m'en souviens pas à chaque fois. Bon, ici ça m'a l'air d'une zone secondaire, mais assez rapide, donc ça va. Je sais pas si c'est de ce danger là que tu parlais, mais bon. Essayons ça. N'existe plus. Y'a rien à récupérer là-bas, non? Alors j'ai potentiellement une idée du coup. Non. C'était une très mauvaise idée. Si vous vous demandiez qu'est-ce que je faisais, je pensais que du coup, vu qu'on avait écarté, allongé le mur, on aurait pu courir dessus. Alors attendez, j'ai envie d'éternuer. Alors je pense que vous avez entendu le petit... Ah, juste avant que je commence à dire le Hatchoum. Tant pis, écoutez. Alors je ne comprends pas ce que je dois faire. Ok, il y a bien un truc à faire ici. Serré. Parce que, ok, on a fait un raccourci, mais. Je crois que c'est bon. Ah, en fait, on a peut-être fait tomber un mur, non, c'est pas ça. Peut-être. Hop. Je pense que ça va mal finir pour nous tous. On t'arrête de vérifier pour voir si. Eh, pourquoi y'a pas. J'ai appuyé sur K, c'est pas forcé. Oh, c'est trop bien ça, j'ai pu renvoyer son missile, c'est beau. Je vais regarder s'il y avait rien en bas. Mais y'a pas l'air. Si jamais je rentre un truc, de toute façon, je le ferai. Je pense pas que je vous le ferai à 100% aujourd'hui, du coup, je serai en train de réfléchir un peu en plus. Je vais vous faire les 4 secondaires à tout là, vous voyez, je l'ai fait. Mais on va les exterminer. Protège-moi. Mais je pense pas non plus que je ferai tout quoi. Intégrité compromise. Hop. Ne bougez pas. Tiens, bouge pas. Bon, du coup, je viens de regarder Rogue One. Et ce robot est totalement dans Rogue One. Le fameux robot de l'Empire. D'où le fait qu'il me disait strictement rien. Alors, peut-être qu'on le voyait dans les premiers films, mais je m'en rappelle déjà plus. Du coup, a priori, j'ai regardé tous les films. Ah, la lune des pèlerins ne cesse de m'ébahir et de me ravir. Les fidèles des adeptes de la Force ont dû concevoir ces épreuves. Dans quel but, je me demande. Ok. Alors, c'est pour repartir, mais du coup... Qu'est-ce que t'as appris en parcourant la galaxie? Que parfois, rumeur. Il vaut mieux ne pas poser de questions. Et garder les yeux sur le chemin à suivre. Parce que là, je veux bien... Attendez, comment on fait pour regarder les quêtes, moi, plus. Mais, on a 5. Mais ouais, du coup, bah, quand je vous dis pas 100%, c'est pas tous les collectibles. Mais après, tout ce qui est 4 secondaires et 4 principales, je vous le ferai certainement, parce que je suis bien dedans. Donc en vrai, on va continuer. Dans les airs du Nord du Jail, il y a des ruines de Maître Cordova à visiter autrefois, vous pourrez peut-être suivre ses pas. Ok, bah alors du coup, normalement, on doit continuer, hein, si du coup de bêtises.
pense. Plaines arides. Et s'il fallait continuer là-bas, bah écoutez, tant pis. Ok, alors faisons un point. Alors je suis de l'autre côté, je suis même en train de me demander si c'était possible. Après la zone elle est foncée, donc peut-être qu'on pouvait quand même aller entre deux. Là pareil, mais il y avait le truc rouge, on devait utiliser le truc rouge. Oui, le BTT, le BTP ou le BTT, je sais quoi leur nom, qui était là-bas, mais tant pis. Restons sur nos gardes. Alors si on peut aller entre deux, j'aurais dit. Totalement voulu esquiver, ça doit pas fonctionner. Pas fonctionner, du moins. Hop. Ah, j'arrive pas à esquiver, ça merde. J'ai besoin d'aide. Hop. Voilà. Ah ouais, il y a plein de trucs à chauffer pour retourner sur les chemins. On va visiter quand même un peu. Hop. On va faire le tour du désert pour voir si on voit pas un truc. Il y a les Stormtroopers avec leur petite machine là-bas depuis tout à l'heure qui marche. Non, il faut pas les fumer quand même. Essayons d'éviter d'attirer l'attention. Ça va pas être facile. Le désert grouille d'impériaux. Alors on s'occupera d'eux ensemble. La crête désertique de Jedha. Doucement, doucement. C'est ce qui me semblait là, des blocs d'autres chemins. Un chemin qui ramène là. Un chemin qui mène là. Bon, bah, comme d'habitude, on va explorer. On bouge. Doutez bien. Restons sur nos gardes. Nos âmes sont perdues. Je vais la voir. Merde, je voulais pas qu'elle le tue. Déteste ces mecs. Je me replais. Un steam par ici. Aïe aïe. Elles sont entrées. L'ennemi vacille. Aïe 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 aïe. Mouais. Attention. Un steam BD. Aïe. Nickel. S'il fait que son pied lui fera un peu de console. Ah bah comme je suis tué. Nickel. Je peux vous mentir, j'étais pas du tout convaincu. Ça servait un peu à rien, là. Juste fumer pour le plaisir de fumer. Hola, tout doux. Alors, combien de refuges y reste encore au passage? Je ne sais pas. Il y a un chemin loin, un chemin là-bas. Et là, je me rappelle que pas loin, là, sur le truc, on avait vu un endroit. J'ai dit, oh, tiens, on peut y aller, ce sera peut-être un raccourci. Regardez. Merde. Allez, regardez là-bas, ils nous disent que c'est le chemin principal. Alors que nous, tout à l'heure, c'était là-haut. Aide à la navigation, donc en fait, c'est-à-dire que de là à là, on peut se rejoindre. On va d'abord essayer d'aller là-bas, du coup. En voie de la restauration. J'ai l'impression qu'il peut venir avec moi. Donc on va aller là-bas d'abord. C'est un trou, ça, quoi. Non, c'est une ombre d'un truc, mais je sais pas quoi. Il n'y a pas de truc sur les hauteurs. Je fais ça, mais j'espère que je pourrai quand même explorer parce que du coup, avec les petits trucs lumineux, là, j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose.
Ouais. Sauf que du coup. Faut que je grimpe. Ça, j'ai bien compris, mais. J'ai l'impression qu'il faut faire tac. Tac. Là, ici, de toute façon, il n'y a rien en hauteur. Faut venir de quelque part à gauche, non? Ou bien c'est par ici? Il y a peut-être un truc pour grimper par ici. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de truc lumineux jaune. Donc, je ne pense pas qu'il faille se servir de ça. Mais il faut servir de quoi, là? Ok, alors je sais pas si c'était ce que je devais faire, ça m'étonnerait grandement. Je pense que j'ai totalement gruge le truc, mais écoutez, tant pis. Alors, le problème, c'est que j'ai pas pris de trucs pour le frapper, donc... Hop, et lui fait sa vie. Ok. Comment ça, il me voit pas? C'est ce que normalement, je peux pas aller là, et puis du coup, il me voit pas, ou... Je ne sais pas. Ah, si vous me demandez ce que je fais, pourquoi je galère, c'est que je suis totalement en train de chercher un endroit. Pour grimper, tout simplement. Quitte à gruger le truc, mais bon, je ne comprends pas comment je fais pour monter. Bien ma veine, ça. Être de patrouille alors qu'il y a un Jedi dans les parages. Des fois, le bon coup des choses, si on le tue, on sera les héros. Et si on le tue pas, on aura des funérailles de héros. Ça veut dire il se prend la tête peut-être. Oui. Je ne comprends pas comment j'ai un bloc. Désolé. Mais je cherche un chemin. Je vois pas, je comprends pas. Suis-je bête? Peut-être. Je comprends pas, je suis perdu. Tant pis, après si j'y arrive pas, je vais pas non plus forcer. Il y en a qui m'ont repéré, moi. Voilà. Lui, il est mort. Alors là, bah, il y a totalement rien pour grimper. Là, franchement, ça m'énerve parce que. Après, ils ont peut-être fait exprès, mais. J'ai quelques centimètres de pouvoir grimper normalement. Enfin, normalement, plus ou moins. Mais je n'y arrive pas. Et ça me donne bien envie de crier. Prépare-toi au combat. Après, c'est peut-être parce que je fais de la merde. Hein. Peut-être que c'est pas du tout par ici qu'on passe. Et peut-être que c'est sur le chemin d'à côté. Mais déjà, ça m'étonne qu'ici j'arrive à grimper avec une aisance aussi fine sans pouvoir aller nulle part. Genre, il me suffirait que j'arrive à aller là, ce serait nickel. Non, bon bah écoutez, on va pas trifouiller pendant des heures, tant pis. On va aller là-bas. Alors, on reviendra quand on pourra, écoutez, parce que du coup, j'en ai aucune idée. Même là, je vais regarder s'il n'y a pas un moyen de passer comme ça, en faisant je ne sais pas pourquoi, mais bon.
Alors, au bout d'un moment, tout le corps sera bloqué, donc ça va en même. Alors là-bas, il y a une porte géante. Je me demande si c'est pas où on est du coup. Ah, où on est. Quand je dis où on est, c'est notre base hein, tout simplement. Mais. Ah ouais, s'il y a peut-être moyen. C'est par là qu'on est dirigé. On va jeter un œil vite fait. Mais il y a moyen. J'arrivais pas à passer, je comprenais pas. C'est ça, mais du coup, la porte est fermée. What, y en a encore. Bon, j'ai galéré en tuer un. Il me reste que deux Steam, je prends tuer deux, je vous le dis. C'était déjà assez compliqué comme ça. Alors, vous voyez, justement, j'étais en train de galérer, mais du coup, c'est peut-être pas là qu'on passe. Suis-je bête? Ce désert a l'air de s'étendre à l'infini. C'est par ici. Oui, ça continue de me surprendre. On va d'abord aller là. Ouais, des fois c'est court, il suffit de regarder, mais je fais une perte de temps tout simplement, bon. J'ai peur de rater le plus faible. Un raccourci débloqué. J'aurais demandé, là-bas on a déjà été, ouais. Ouais, là-bas on a déjà été, je me rappelle, c'est par là qu'on est rentré. Mais c'était juste pour un raccourci ici. Je me disais aussi que c'était bizarre. Je ne vais pas voir que ça. Oh, revisiter. Ah, c'est musique ça. Voilà, et là-bas, il y a l'air de rien avoir. N'empêche, ceux qui trouvent pas la base des Stormtroopers alors qu'il y a des grandes portes en métal, etc. Enfin, je veux bien, au bout d'un moment, frérot, faire un effort. Surtout que tu auras tourné autour du truc. On va demander si à un moment on va pas se faire attaquer. Bon. Boubibi, yo. Yo yo yo. Comment il va le Boubibi? Bonne chance. Tu viens pas? Il faut que tu fasses ça tout seul. Il faut que je fasse ça tout seul. Ok. Pourquoi, je ne sais pas, mais ouais. Va-t-on se faire attaquer par un géant monstre? Quand un mec en casse. Oh, un monstre était. Scriton doré. Fuck! Wow! Comme un mec en 4G, t'es encore en 4G. Ouais, c'est vrai que c'est encore en 4G. T'es content, ouais. Oh putain, j'aurais pas dû l'attaquer maintenant. Oh putain, je suis mort. C'était sûr et en plus le point de réapparition est terriblement loin. Bon, c'est bien de faire du secondaire, mais des fois, faut apprendre à se calmer et on va pas y aller maintenant. Ouais, trop. En même temps, en vrai. Quand t'es bloqué comme ça, t'as pas grand chose à faire quoi. Surtout que 4G c'est un peu chiant, c'est pas non plus la meilleure connexion qui existe. Alors je me demande si les pierres là on peut les visiter ou pas, ou bien si c'est juste pour dire qu'il y a un truc qu'on va pas aller. Bon du coup ici je sais pas si c'est juste le boss. Pas, mais tu lui as manqué. Ou pas. Il m'a manqué aussi. En fait regardez, il si y a des trucs que ça, j'avais pas vu. D'accord. Il y a cette zone secondaire là que j'avais pas vu. Bon là il y a le boss on va le mettre en annexe. Il y a moyen que je le fasse, en vrai je l'ai fait perdre la vie mais je pourrais de le farmer maintenant. Tant pis. Et là-bas en fait il y a peut-être moyen que je le rejoigne par rapport à ici, regardez il y a une porte. Là ça me rappelle qu'il y a une porte aussi sur Nobo, on avait été voir dans un sous-sol et je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et sinon après bah là on peut pas. Là-bas il y a encore la rumeur donc il faudra encore faire un truc je ne sais pas quoi et après il faudra qu'on aille là-bas. Mais tant qu'on est ici, qu'on a nos points de compétences. Hop, compétences, sabre laser, et on va finir nos labres de main. Voilà. Ça je m'en sers pas assez, mais bon, faut vraiment que je m'en serve. Surtout contre les boss, ça peut être dur.
Et on a complété une branche. Donc, du coup, maintenant, on va prendre la garde croisée. Parce que c'est la meilleure. Moi, je disais la garde de chevalier, mais c'est garde croisée. Bon, écoutez. Alors, on va essayer de faire du secondaire encore une fois. Parce qu'on va faire du principal, j'aimerais bien. Où est-ce qu'on peut passer? Alors déjà il y a un coffre. C'est pas mal. Ah, il a fumé avec son blaster. Commandant. Ok, donc la zone secondaire c'était juste ça. Même s'il y a une petite zone souterraine là-bas. Comme quoi la carte elle est vraiment utile là, hein, parce que vraiment il y a des petits passages arrière du tout si tu fais pas gaffe. Un peu la Breath of the Wild où il y a des petites grottes et tout. Ah oui, en plus ouais, c'est vraiment une petite grotte. Des ennemis. Fuyez, vous tenez à la vie. C'est pas ce que je voulais faire moi. Arrête-les. Hop. Ah les petits sont résistants quand même, le gros il frappe. Et... Laisse-moi m'en occuper. Oula, j'ai vu exploser mais j'ai pas le temps d'esquiver. Hop. Non, pourquoi ça? Vas-y, maintenant. Hop. Et voilà. Bon, la manette est un peu faible, mais c'est pas grave. Je me demande s'il faut posséder la force pour entrer en ces lieux saints. Les sables recèlent la sagesse de ceux qui les ont foulés il y a des siècles. Remarquable. Ce voyage valait donc la peine, mon ami. Hop. Pèlerin de Dieu d'or. On prend un petit cristal. Essence de force obtenue, niveau de force maximale augmentée. Toujours plaisir, là, il y a un petit truc à récupérer. Je suis surprise. Il a l'air intact. Un parchemin de Dieu d'or. Bon du coup, on va essayer de rentrer à cette petite porte secrète. Alors étonnamment c'est beaucoup de robots dans le désert. Après, il fait chaud donc ça peut être logique mais bon. Crête désertique, j'avais même pas vu, vous voyez la porte verte là. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles de lui depuis Coruscant. Hey So Guerrera, je savais pas du tout c'était qui lui, j'arrêtais pas de l'entendre parler devant. Et en fait dans Rogue One, du coup je sais qui. Alors du coup vu que ça se passe entre Rogue One, etc. et les trucs de l'Empire, ça reste logique. Hop. Que cherchez-vous ici, mon ami? La galaxie est en proie au chaos. Je recherche la sérénité. Nous avons donc un but commun. L'Empire a détruit ma maison. Tout ce qui me reste, c'est le peu de sagesse que je possède. Alors voyageons ensemble. La route est longue jusqu'au sanctuaire du pèlerin. Je disais bien que j'avais vu des mecs à l'entrée. Je sais qu'ils nous auront repéré, je sais pas, non. Ouais, en fait, ils ont carrément fait une descente, là. J'attends ton signal. Toi, viens ici. Hop. En fait, c'était carrément un piège. Ouais, vous voyez, genre la porte en métal là-bas, ils l'ont pas vu. Nickel. Bon, on propose qu'on aille un peu plus vers le principal. Là. Voilà, je fais un dernier. Une dernière mise au point. Là-bas, le boss. Bon, on a peut-être gagné de l'XP, mais tant pis. Là, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Là, a priori, c'est une zone qui rejoint ici, je pense. Si c'est pas le cas, on ira plus tard. Là, on va aller
tu dans la zone principale. Trophée obtenu, ça c'est un pas une course de module. Ça c'est pas une course de module. Oula, j'ai dit n'importe quoi. Suis-je perché, peut-être bien. En plus là-bas il y avait l'air d'un point de méditation. Bon, de toute façon en tous les cas on se rapproche plus d'ici que de là-bas donc. Le désert il est un peu grand, j'ai l'impression qu'on peut grimper partout. Donc je sais pas trop où aller. Ouais, vous avez vu ce que je vous avais dit. Les deux zones elles se rejoignent, bon du coup on fera vite faire un tour. Avant ça on va vite aller voir à droite. Ce bruit bizarre de robot. Ennemi droit devant. Ah c'est ça. Bien. Je savais pas qu'il y en avait ici sur Dieudonne. Parchemin de Dieudonne. Bon, moi, on a trouvé ça. Ce qui est plutôt pas mal ma foi. Alors je suppose que le truc où on doit aller c'est là-bas, ça c'est quoi? Ça c'est peut-être un futur raccourci ou peut-être un moyen de dire tant que tu as du pèlerin est ici. Parce que regardez, il y en a plusieurs. Ça a l'air facile de se perdre par ici. C'est pour ça que tu as la chance d'avoir un guide? Ouais, si ça sert un truc pour dire le sanctuaire du parrain, et pas là. Hop, ok. On va prendre ça. À la cowboy. Commandant, on va venir prendre ce point. Et se soigner, tant qu'à faire. On bouge. Très bien. Hop. Bon, il reste la zone au milieu, mais j'ai vu qu'il y avait plein de points rouges, donc je sais pas si je peux y grimper. Là-bas, on peut pas parce qu'il faudrait y revenir. Étonnamment, c'est pas étonnamment parce que c'était sûr que ça allait être plus grand vu que. Il n'y avait pas beaucoup de pourcentage. Mais. C'est étonnamment encore plus grand que ce que je pensais. J'ai vu des mecs, il me semblait. J'étais persuadé d'avoir vu les ennemis. Ah bien, c'est peut-être eux, je sais pas. Alors. Alors je pense qu'on peut venir ici, mais du coup il y a des trucs qu'on peut pas aller. Parce que là vous voyez, il y a ça. Ça fait ça a l'air un peu comme grappin. Pour aller de l'autre côté, on l'avait compris, mais le problème c'est qu'on ne peut pas. Le problème c'est que là je vais aller en haut, mais ce sera pareil de l'autre côté, je pense. Et le problème c'est qu'il y a trois points vieux, tombeau de l'éclaireur, ouais. Vous sentez le boss? J'aime pas quand il veut scanner un truc et que tu sais pas ce que c'est, ça merde. Mes amis, je ne vivrai pas assez longtemps pour voir toutes les merveilles du désert. Mais cela me réconforte de savoir que vous. Du coup, ici c'est pour aller là-bas, pareil. Jedha est une constellation dans une galaxie entière de secrets. Hop. Et du coup, il n'y a rien à récupérer. Et du coup, là-bas, c'est pareil. Donc là, en fait, on peut quasiment rien faire. C'est super. Ça, par contre, je pensais qu'on pouvait rentrer dedans, mais il n'y a pas l'air non plus. Mais je pense que si, mais pas tout de suite. Peut-être que quand on aura fait le bout des trois chemins, oui. Tac, genre là, là, et là. Écoutez, on va vite fait aller là-bas. Et on verra bien. Après, s'il y a une pro BTP pile dans notre chemin, nickel. Hop, je savais pas si ça allait passer, j'avais peur. Est-ce que je peux les shooter ou pas? Totalement. Hop,
Kuro. La crête désertique. Un autre point et un autre coffre. Hop. Nickel. Il y a quand même un autre chemin, je me demandais. Bon, toujours on prend au moins une heure parce que on fouille les trucs annexes, mais bon, écoutez, en même temps. Hein. C'est pour juste rush l'histoire principale, bon, même si le jeu je l'ai pas acheté, on est d'accord. Mais bon, quand même. Bon, eux, ils vont chier. Maintenant, BD. Je sais pas trop comment les battre. Malin. Hé, c'est bien. Avec elle, c'est très bien, mais tout seul, je sais pas comment je vais faire pour les affronter. Étant donné que j'ai l'impression que je peux pas les affronter. Que j'en fais pas de dégâts. Alors j'espère que là, je vais pas retomber sur un nouveau boss. Parce que ça serait un peu infernal. Non, faut vraiment juste aller sur la crête au bout. Alors là, il y a un coffre. Et là, je pense que c'est le fameux raccourci que j'avais vu il y a longtemps. Let's go. Et du coup, ici, ce qui est logique, parce que je vous avais dit qu'il y avait un endroit que ça m'avait fait un raccourci quelque part ici. Je vais même hésiter, est-ce que c'était pas ici, mais en fait non, c'était là. Après on descendait les marches et bim, on arrivait là. Ça c'est quoi déjà? Faille de la force. Bon, ok. Alors là, du coup, on doit aller là-bas. On va vite faire un mur étroit derrière une porte. Je sais pas si on pourra y accéder vu qu'il y a des petits trucs rouges. Sinon on va accéder là-bas, ok. On débloque des raccourcis un peu partout. Maintenant qu'on a accès un peu plus à Jedha. C'est plutôt pas mal. Continue. Au moins ça se refait quoi. Passé sur Coruscant. C'était de bons amis. J'aurais aimé que tu les rencontres. Hop. Hop. On va te faire soigner tant qu'on est à côté. Hein. Il faut que j'aille. j'ai récupéré ma voix aussi depuis hier, je sais pas si vous avez remarqué. Bref. Bon du coup j'ai pas précisé mais je tousse un petit peu. Je pense que ça s'entend. C'est un peu chiant, mais bon. Je préfère ça que ne plus avoir de voix. C'était vraiment pas possible. Alors, les plaines Arwed. Hop. Tout sans tous morts. Bon, ici c'est ce qui me semblait. Attendez, j'ai le moment qui me demande de faire des pas, c'est un peu chiant. Laisse-moi tranquille si j'ai pas envie de marcher. Là, pour pouvoir aller derrière, faut faire le tour via les trucs jaunes, mais on les a pas. Si on a le pouvoir ici, dans ce désert, ce qui est fortement probable, on va devoir le réexplorer au prochain live. Parce que on va débloquer beaucoup de c'est trucs. Bien. Oh, il y en a un tout seul. On soupçonne d'être mort. Et là, du coup, on doit aller là-bas. Ok. J'ai vu des mecs en face. C'est quoi, soldat?
y a des impériaux plus loin. Pas pour longtemps. Comment c'est, je me contrerai alors que je vais t'arrêter de voler. Leurs tireurs ne seront plus un problème. Je vais la voir. Hop. Tu vas céder. Hop, une bonne frappe de la force du moins. Défiance de Scanner. Restons sur nos gardes. Ça me fait une boule. Ah ouais. Attends pas, j'ai alors ici c'est que pour un raccourci. Ok. On suit le joli sanctuaire des Pèlerins. Allez, hasta la vista. Reste concentré. Ils arrivent d'un coup les filles. Ils ne peuvent rien faire. Hop. Alors, comment t'es entré en contact avec le passage? Pendant mon voyage, j'ai rencontré une personne dans le besoin. Et je l'ai aidé à se cacher de l'Empire. C'est ce qui m'a mené au passage. Parfois, je me demande si la destruction de l'Holocron a eu le moindre effet. Nous avons protégé les enfants de cette liste. Mais il y en a d'autres. L'Holocron, donc ça va être dans le 1 du moins. Exactement. On doit protéger un maximum de gens. Je sais pas si c'est canon du coup à l'univers de Star Wars ou non, juste. Juste il s'en fout, il s'en fiche. Parce que du coup la tête en plus. La tête du perso me fait penser à un acteur. Celui qui joue Adam Warlock, par exemple. Il lui ressemble un peu, je trouve. Et encore, il y a une tête d'un autre acteur aussi, je sais plus c'est qui. Bon, en tous les cas. Je veux dire, il y a moyen de refaire la tête de l'acteur si un jour ils veulent faire un film dessus. Donc en vrai. Je me demande. Bon, raccourci débloqué, let's go. Alors, utiliser les tableaux, c'est vrai que ça faisait un moment. Lorsqu'elle est équipée, la posture de blaster n'utilise qu'une lame, la moitié d'un sabre laser. Vous pouvez désormais personnaliser les blasters. La garde croisée, lorsqu'elle est équipée, la posture de la garde ajoute de nouveaux éléments au sabre laser, les aérations et le pommeau. Alors, sabre laser. La lame, est-ce que je peux avoir enfin une couleur rouge? Non, je pense que ce sera vraiment pas possible. On va voir comment ça réagit. Et orange, mais. Orange, ça m'intéresse pas trop. Aperçu, non, c'est pas ça. Ah là, oui, j'en ai débloqué plein. Alors, si vous demandez ce que. Ouais, c'est ça que je cherche avec les matériaux. Primaire. Ouvrir. Il n'est pas vraiment en noir. Parce qu'en fait, j'aimerais bien faire un sabre noir et rouge. Mais peut-être qu'on le débloquera plus tard, mais là pour l'instant, ça ne. Bon. M'attire pas. Bien. Pour ça, on va rester avec un sabre doré parce que je trouve ça assez stylé. Ok. Non, ça j'ai compris où je dois le mettre. Ça, on pourrait pas le pousser autrement. Il y en a partout dans la base de Serré. Oui, ce sont d'anciens mécanismes de sécurité.
Un héritage de ceux qui ont vécu ici avant nous. Lorsque l'Empire est arrivé, les Anachorètes ont commencé à s'en servir. Les vieilles technologies sont plus discrètes. Voilà, et du coup, pour passer, on doit céder de ça. Nickel. On a combien de temps de live? On va bientôt arriver à 1 heure. Si on reste, ça va l'air d'être un chemin en ligne droite, et c'est où? C'est tout là-bas. Longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oui, ce temple est abandonné et bien fortifié. L'endroit idéal pour se cacher de l'Empire. C'est ce qu'on pensait. On va retrouver le frère Armias. Je l'espère. On va prendre la route de derrière. C'est le chemin le plus rapide. C'est vrai que le chemin de derrière, c'est souvent le chemin le plus rapide. Il voyait aucun rajeunement. Bon. Au moins, on est deux. Ça fait une pince chacun. Effectivement, parce que l'autre doré où t'as pas voulu que je l'affronte avec toi pour une raison obscure, on a complètement rappel. Par contre, si on meurt, le point de méditation il est affreusement loin. Hop. Ne meurs pas maintenant. Tu vas céder. Effectivement, j'aurais bien de pas mourir maintenant. C'est quand tu veux. Attention. Tu peux pas l'échapper. Hop. On va tuer qu'une demi-volée. T'as trouvé comment accéder à Tanalor? Pas encore. Mais on a trouvé quelques appareils datant de la Haute République. Maître Cordova les examine en ce moment même. Serré et son maître forment un sacré duo. Ils ont été un atout vital pour le passage depuis qu'ils nous ont rejoints. Tu as rencontré d'autres Jedi au cours de tes voyages? Non, Cal. Si ça avait été le cas, je t'aurais contacté. Je te remercie. Des Jedi. Hop. Couleur de Jedi. Pas dit Jedi, j'ai dit Jedi. Vous voyez, on aurait pu faire ça. Hop. Et atterrir en haut. Et aller, je ne sais pas trop où, mais on aurait pu y aller. Il y a plein de chemins, je m'en souviens pas. Sauf que je vous ai dit que le collectif, je fais pas avec vous, donc ça, c'est pas grave, mais... Si je peux en faire un maximum, ça pourrait être pas... Enfin, de toute façon, on le fait déjà, le maximum, pour l'instant, mais du coup... Il y a plein de trucs dont je vais pas me rappeler après. Alors du coup, j'active tous les raccourcis, donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que quand j'aurai le faire, j'aurai plus qu'à les prendre partout. D'ailleurs... Ouais, on va y aller, parce que là-bas... Oula, on va le repas en steak. Là-bas, il y a ça. On va sauvegarder entre parenthèses ici, histoire que si on meurt, on respawn là. Et du coup, on puisse repartir par là. En plus de ça, il y a un cristal en haut, mais je pense que du coup, on le prend par rapport au chemin que j'ai vu au niveau de la bête. Donc, on va pas essayer de chercher à comment y aller. Je suis persuadé que c'est ça. En plus, je sers de BD comme. Comme guidon. L'Empire se rapproche. Séparons-nous. Je vais la ralentir. Effectivement. On se rejoindra près du temple. Ok. Eh ben, salut. Salut, salut. On va repartir chacun dans son coin. Fais attention. Mais il va ralentir l'Empire. C'est pas à moi de faire attention, Cal. Il n'y a plus que toi et moi. Et maintenant, si je regarde, en fait, on est vraiment pas loin, donc ça va. C'est un petit chemin à gauche. Ça se trouve là dans le chemin, on va l'avoir ralentir l'Empire. Je sens affreusement mal, mais on va quand même essayer. Je suis pressé de pouvoir péter ces barrières. Parce que franchement, j'en ai vu partout, même à Coruscant, que je ne peux toujours pas péter. Et ça me saoule à un point phénoménal. C'est fermé. Porte verrouillée, parce que c'est un truc qui t'a mis dès le début, mais du coup t'es bloqué tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a j'ai des bugs d'affichage. Je sais pas si c'est moi, mais des fois je vois des lumières blanches quand je tourne l'écran. Enfin, c'est peut-être que je suis en train de mourir. De toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. C'était ça la lumière blanche, le truc blanc. Ok. Là j'ai vu un truc aussi, non? Il faut être en haut parce que ça raccourcit. Pareil, il faut être en haut.
Il a l'air d'avoir faim. Ah, j'aurais jamais hésité, ça. Attends. Pourquoi ça? J'appuie pas assez sur ce triangle. Vous l'avez remarqué, parce que je mitraille ma touche carrée. Mais c'est tout. Bon, je pensais que ça servait à quelque chose. Peut-être plus tard. Je ne sais pas. Ok, prenons ça. Ok. C'était totalement pour un coffre. Est-ce qu'on peut péter ça? Il n'y a pas l'air. Alors, ok. Attends. Faut le mettre ici, je suppose. Je savais que le bloc fallait s'en servir à un moment ou à un autre, hein, mais... Je ne comprenais pas comment l'accéder. Hop. Mieux vaut ne toucher à rien ici, au risque de réveiller les morts. Ok. Dévotion jusqu'au bout. Mais totalement dans un ancien tombeau. Un ancien tombeau, du moins. Alors là-bas. Il y a un cul-de-sac et là-bas. Et à tout moment, on sera attaqué par des petites créatures. Allez. Hop. Mon frère va rapporter ça aux archives. S'il n'y a plus rien. Ah non, il y a toutes ces bêtes là. Je les déteste totalement. Allez. Envoie. Il me soigne. Pourquoi il... Des fois la force c'est bien. J'ai l'impression en fait tu peux rien pousser. A chaque fois j'essaie de pousser des ennemis ou je ne sais quoi, bah ça ne fonctionne pas. Donc en fait c'est bien, mais qu'à moitié. Fameux raccourci, du coup. Pourquoi c'est écrit d'appuyer sur R3? Ok, il y a quoi ici? Ici, il a l'air de rien avoir, ça sert à rien. Ça fait un bruit horrible, je trouve. Ah, le fail. Je l'ai vu, hein, mais je pensais que j'aurais pu l'atteindre tout seul. Attendez, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. C'est bien, mais je suis censé aller où là? C'est vrai, je peux aller dessus, ok. Un atterrissage réussi. Ok. Parce que ouais, j'avais compris qu'on pouvait sauter, mais du coup, ok, on peut grimper là-dessus en fait. Je comprenais pas. Je
comprenais pas, j'avais vu qu'on pouvait y aller, mais je comprenais pas l'utilité de venir ici, en fait, parce que j'ai pas vu qu'on pouvait grimper. Voilà, bah, on va voir en bas du coin, d'abord. Bon, on récupère ça. On ouvre la porte de l'autre côté. Raccourci débloqué. Je pensais qu'il y avait un truc à scanner, mais c'est pas ça. Let's go. Prépare-toi, BD. Ça te rappelle Zepho à toi aussi? Ok, donc là, marcher à une tempête de sable, c'est que la deuxième sorte Jedi. Allez, bon, on va marcher, peut-être pas, je sais pas. Où est-on? Ok, j'avais pas vu ça. Oh, what, le vent, il te pousse si tu sautes. Hop. À un moment ou à un autre, on va y aller dans cette gorge, c'est sûr. Je regarde vite fait, est-ce qu'on peut grimper sur le dôme ou pas? Non, il te l'affiche pas, donc c'est qu'on peut pas. J'y arriverai pas, il y a trop de vent. Ah, c'est vrai. Il faut que je bloque ce vent. Je m'en doutais un petit peu aussi, hein, mais je me suis dit peut-être qu'avec un coup de chance, le vent va être décalé ou un truc du genre, mais ils ont fait vraiment en sorte que ça te pousse bien. Alors. Ok. Il y a un cadavre qui va nous tomber dessus d'un coup. On va rien comprendre. Mais ce n'est pas un jeu d'horreur, donc il n'y a aucune raison qu'on ait ça. Tu as déjà entendu une chose pareille? On dirait de la musique. Ouais, et je me demande si c'était pas fait exprès. Ah, si. Dans le jeu, c'est fait exprès. Mais au niveau de l'histoire, est-ce que c'est pas fait exprès vu que c'est un truc de pèlerin? Le vent, il fait de la musique un peu. Je vais regarder à l'endroit où le son il peut passer. Totalement fait exprès. Il faut que je me concentre. Chute sifflante. Compétence. Laser. Et maintenant, hop, frappe déchirante. Maintenir carré. Oh. Ça va être bien. Alors là, il y a un petit truc caché. Cadavre d'un Jedi, on dirait. Peut-être qu'un autre voyageur pourra trouver cela utile sur le chemin. Tout le monde n'a pas la force de faire ce voyage. Il est mort du coup. Attention. Hop. Et en vrai, faut faire gaffe hein, quand même, parce que même quand on frappe quelque chose, tu te dis ouais, vas-y, t'as tué tous les ennemis. En fait, non. Est-ce qu'on n'entendrait pas notre nouvelle copie, notre nouvelle technique? Aïe. Erreur système. Ah, c'est bien, on l'a déprogrammé comme depuis quand on a ça? C'est trop bien. Si on peut faire ça avec toutes les... tout le truc, les BTP, etc. C'est pas trop bien. Ça se trouve, vous êtes en train de m'insulter parce que ça se dit pas comme ça, mais je me rappelle plus du tout. Pour moi, c'est un BTP. Je sais pas pourquoi j'ai ce nom. Après, un BTP, c'est pas ça. Non, c'est le bac du bâtiment, ça. En fait, c'est ouais, je pense que je confonds avec, avec le diplôme du bâtiment, un BTP. Parce que j'y ai joué à des jeux Star Wars hein, quand j'étais petit, mais bon. Un BTT, ou bien ça s'appelle, justement. Ah, je sais plus, c'est quoi. Non, je dis n'importe quoi. C'est pas BTT. C'est sûr, parce que ça, c'est le diplôme du bâtiment. Je vais seulement me rendre compte. Mais bon, merde, faut encore bloquer le voir du coup. J'avais un doute. Ah, quoique. Et c'est vrai que j'ai oublié qu'on avait ce truc-là. Il me faudra un style, mon pote. Je vais beaucoup mieux. Merci. Ah, il va un chemin en bas. Ah oui, ok.
Si je me dis, il n'y a rien pour le bloquer, dans tous les cas, on peut pas avancer. Donc s'il n'y a rien pour le bloquer, c'est forcément qu'il y a quelque chose pour longer tout de même. Quel genre de pèlerin venait ici, au fait? Imagine devoir affronter ces vents juste pour trouver un refuge. Un sanctuaire n'a pas de tri, j'imagine. Hop. C'est plus calmement beau qu'en haut, quand même. Merin a dit que c'était la route de derrière, c'est ça? J'espère que Serré a fait passer les réfugiés par un autre chemin. Ils ont déjà assez souffert. Comment on fait déjà pour utiliser le... Non. Ça devrait nous protéger. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai même pas fait exprès l'activer. Ça je voulais faire. Parce qu'ils me disent de regarder là-bas, mais... Ah oui, il y a un logo carrément. Ah, c'est parce qu'on doit y aller ou bien? C'est tout simplement. J'ai failli faire un de ces roulettes destructrices. Alors là-bas, j'ai l'impression qu'on peut y aller, mais ce sera après. Là, je pense qu'il faut céder du saut, du vent, bien. Ah bah en fait c'est lui, c'est celui qu'on a piraté. Ok. Sauf que du coup on est bien mais bon. Oh, vous avez vu le poids, il s'est éloigné à mort. What? C'était pas ça par contre, nous on était juste à côté. Ah du coup alors il est bien mis, maintenant on a... Un autre chemin. Ok. Est-ce qu'il y a un truc où on n'arrive pas derrière? Du coup, le chemin il est hyper long en fait. Du coup, le fantôme du désert, c'est Merin, si j'ai bien compris. Je ne suis pas une menace. Il y en a, je peux, et d'autres, non, je sais pas pourquoi. S'occuper. Pourquoi l'Empire nous a pas donné de surnom à nous? Hop. On a obtenu un parchemin, parce que vous avez vu, on pouvait totalement les éviter, donc forcément c'est qu'il y a un truc à faire quand même. Là on va passer du coup derrière dans le chemin que j'ai vu. Au loin. Y'a rien d'en haut. Y'a pas l'air. Ah c'est trop bien que ce sabre là. Raccourci parce que c'est bien, on fait des raccourcis partout. Oui, Merin est sûrement derrière ça. Est-ce qu'on laisse se battre, on passe à côté comme si de rien n'était? Ou pas du tout? Ouah. Ces stormtroopers n'étaient pas prêts. Ah, il est passé dans le feu, et il est mort direct. Ça aide d'avoir un fantôme du désert de notre côté. Le vent souffle enfin en notre faveur cette fois. Ça c'était plutôt pas mal par contre.
J'ai compris, BD. Je savais qu'elle avait un truc à scanner. Et du coup, ouais, c'est leur vaisseau en fait qui a refait, je comprenais pas ce que c'était. Ok, hop. Raté. Hop. Wow. La force de la nature. Alors oui. Mais non, j'ai envie de dire. On va voir quoi sera monté. Mais du coup, ça m'a offert un raccourci. Ok, bah ça raccourcit pour venir ici, donc ça. C'est-à-dire, si ça m'avait mis un autre chemin, il va falloir que je retourne en arrière à ce moment-là pour revenir. Et du coup, il est pas bien. Allez, ouais, je le savais. Je vais juste vérifier un truc différent, mais. Ok. Fameux raccourci. C'est un plaisir, scan. En avant, voyageur, fais la traversée. La traversée vers où? Donc là on arrive dans la fameuse salle mais en haut. Ça il n'y a pas l'air d'appuyer sur L2, on s'en fiche. Hop, et voilà. On a enfin fait le tour. Concentre-toi. C'était un peu long me faut, mais c'était faisable. Alors. Let's go. Des chemins partout. Ah, ça commence à devenir grand Jedi quand même. Bon, bah du coup, encore 473 mètres à faire en zigzag parce que c'est que des zigzags ici. Y a pas un petit coffre qui se cache? Je viens de le récupérer. C'est vraiment pas mal. Un petit parchemin de Jedi. Je sais même pas si je le ferai à 100% carrément dans mon coin. BD, par ici. Je sais pas si je le ferai à 100% parce que. Qu'est-ce qu'il voulait scanner? Parce qu'en vrai, chercher tous les parchemins, etc., bah, c'est faisable, hein, mais du coup, il faudra que je regarde une vidéo ou une carte, tout simplement, en disant tiens, il y en a un là, il y en a un là. Il y a forcément des trucs que j'aurais déjà fait et d'autres non. L'Empire nous a apporté un nouveau jouet, mon pote. Oi! Mange quoi là, moi? Hop. Allez. Dégâts subis. Hop. Let's go. Celui-là était vraiment pas sympa, hein, BD? Donc ça cherche à nous dire, faites gaffe, vous aurez de nouveaux ennemis. Alors je sais pas de quel côté je suis censé passer. Après je voulais passer en haut, mais regardez, tac 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 tac, en haut c'est bloqué, il y a juste là. J'aurais peut-être eu une autre zone, mais du coup je sais pas c'est où qu'il faut vraiment que je passe. Attendez, on va quand même aller voir là-bas, parce que du coup j'ai un doute. Pour hydrater un truc annexe. Là-bas du coup c'est fermé, on est d'accord. Ah ouais, j'ai vraiment bien fait de... d'aller maintenant. Nickel. Ah, Jedi. On va le mettre. Il y a quand même un Jedi. En blanc, c'est vraiment Jedi, mais bon, moi je préfère. Un petit peu plus marron, ça sera que ses cheveux. Un Luke d'enfer. Alors oui, mais on n'est pas du tout Luke. C'est ça le problème.
Voilà, au moins, on va tenir un endroit où on a un Jedi, parce qu'on est quand même censé être un Jedi, donc ça peut quoi de pas avoir un Jedi. Voilà, lui qui me dit d'appuyer sur L2 à un endroit, mais... Je suppose que tôt ou tard, ils vont me le redire. Hop. Après, je sais qu'on s'en fiche un peu de la tenue, même si ça n'a pas tout été une tenue Jedi, mais dans les films, après, au bout d'un moment, on en a quand même une. Hop. On peut facilement être dévié de sa trajectoire ici. Avançons prudemment. On se fera paniquer. Est-ce que c'était du stress? Totalement. Par contre, du coup, je savais pas où je devais aller. Quand même, puisque je peux quand même aller sur la plateforme avant d'aller là-bas. En fait, non, j'ai bien fait. Nickel. Encore avoir de malade ici. Alors. Bon, est-ce que ça va se finir par se calmer un petit peu? Pas l'air non plus des masses. Bon là je suppose qu'on va faire une descente. Une descente jusqu'à où? Jusque là-bas il faut. On doit se rapprocher. Hop. Let's go. Pas comme... What the fuck? Moi je vais faire un... C'est bon. Tu veux recommencer? C'est pas ça que je voulais faire. Quand il est petit... Quand il y en a un seul gros. Faut que je prenne un gros sable, mais quand il y en a plein de petits, les doubles c'est bien. Ok. Où est notre navette? Il faut qu'on se tire avant que l'excavation atteigne ce temple. Ils en envoient une autre. Je veux être là pour le premier tir d'essai du gros canon. Alors. Du gros canon. Comment ça? Défends-moi. Ah, regardez, on arrive à le... On arrive à la tirer quand même. Ah, en plus, c'est celui qui sera sur flamme qu'on a chopé. Ça va nous donner de l'élan. Ok, donc j'ai pas fait exprès, mais on dit que c'était fait pour. Non, on peut toujours pas par là. Donc, par contre, le problème c'est que moi j'ai pas été voir vite fait en haut, parce qu'il y avait une porte verte qui ramenait là. Pas de possibilité de remonter comme ça. T'as déjà débloqué un raccourci. Ah oui, c'était là, ok. Ah c'est vrai, j'avais pas compris, je croyais que c'était un trou. Voilà, pour moi. On a débloqué le raccourci, c'est plutôt pas mal. Hop. On a combien de mètres là? On s'en rapproche petit à petit là, après il y a un chemin unique donc ça va. Entre deux, on s'en rapproche petit à petit. Et là du coup par contre, on est d'accord qu'il y a un endroit où je peux plus accéder là, en dessous. Il me l'indique pas sur la carte, mais il y a un endroit que je peux plus accéder. Allez,
Hop. Le truc que j'utilise jamais, regardez, pourtant c'est hyper fort. Alors nous on doit prendre le chemin là-bas, mais il y a un chemin en bas en premier à prendre. Je vais savoir c'était lequel, le secondaire d'abord. Attends, on fait ça d'abord. Hop. C'est bon, on va me laisser tranquille. Crypte d'Urmon, oula. Qu'est-ce que je viens de débloquer là? Moi qui pensais que c'était un truc petit. Mais il y avait qui pouvait scanner un truc. Ne cherche pas la voie. Reste immobile, voyageur, et la voie sera dévoilée. Facile à dire quand on repose déjà en paix. Enfin, c'est brûche. Alors ici c'est quoi? C'est une grande porte déjà. Pour commencer. Avec des petites bêtes un peu partout. C'est super. Scanne-moi ça. Un droïde et son maître. Compagnon des gardiens. Ouais, d'accord, il y a une porte avec un truc derrière. Hop. Alors, ok, mais du coup, ça a code à faire. Sauf que le problème. C'est que j'en ai affreusement aucune idée. Je pense à douter quand j'ai vu ça attirer. Alors là, pour le coup, je sais pas du tout. J'ai pas envie de perdre trop de temps et je sais pas du tout comment on le chope. Il y a peut-être des indications ici. Mais il n'y a pas l'air. Donc je vous propose qu'on va faire le principal. De toute façon, on recheck assez d'endroits. Sur la carte, ça a indiqué. Et qu'on saura ce qu'il faut faire pour revenir. Parce qu'on n'a aucune idée. Alors j'aurais pu tester les combinaisons, hein, mais déjà il y a 8 trucs, flemme. Ça aurait pu faire un nombre de chiffres infiniment gigantesque. Et j'ai oublié d'activer ça. On est bien. J'ai besoin de ton aide. Merci infiniment, BD. Comment ça veut dire infiniment quand je dis infiniment? Hop. Donc, on verra bien quoi. Pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Là-bas, je pense pas que je puisse y aller. Hop. On va réactiver tout le sanctuaire en tout cas avec les bazars. On fait la voie du pèlerin alors qu'on n'est pas. On n'est pas un pèlerin. Donc là j'ai bien appelé le live comme il fallait du coup. Allez, tu peux y arriver. Ah bah ouais, je l'ai même pas vu. Moi c'est Cal. Lui c'est BD1. Je m'appelle Pili. Je ne m'attendais pas à voir des pèlerins aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais ce que je peux, mais très peu de choses poussent ici, comme vous pouvez le voir. C'est déjà bien, ouais. Aller dans le système de Kobo. Tout pousse là-bas. Ah. Ça a l'air merveilleux. Notre première agriculture. Peut-être. Dites seulement au barman du Pailun Saloon que je vous envoie. Il vous aidera. Vous avez recruté Pili. Mais yes, enfin un agriculteur. J'aimerais bien avoir le toit un peu plus vert. Alors, bah, c'est aussi une planète un peu désertique, mais en même temps, il y a de la végétation comme qui pousse. Et le toit, si pouvait être un peu plus vert, ça rendrait un peu plus le truc égayant. Ce que le Pylon Saloon, il commence à devenir de plus en plus égayant, justement.
Pili, la botaniste, a été recrutée dans le jardin sur le toit de Pylon Salon. Maintenant que vous avez recruté Pili, vous pouvez débloquer d'autres parcelles de jardin en faisant pousser vos plantes au maximum. Une fois toutes les parcelles débloquées, vous obtiendrez des capacités spéciales de jardinage. Waouh! Ah bah écoutez, nickel. Du coup, est-ce que quand on va revenir ici, ça sera l'abandon ou est-ce qu'elle sera là aussi? Parce que pour se téléporter ou alors un vaisseau, entre parenthèses, pour trouver une explication, je ne sais pas. Alors là, moyen convaincu par sauter là-bas. Ah ok, c'est ça qu'on a fait, je crois que c'était un raccourci. Ils me disent qu'il y a une plateforme aussi, je sais pas où. Ah là. Ok, mais l'utilité... pas certain quoi. Ok, en dessous c'est ça. Let's go. Hop. Une botaniste dans le désert. Elle devait être complètement perdue. Ou à la recherche de sa voix. On va peut-être enfin finir cette planète. Peut-être qu'on devrait y retourner certainement, c'est sûr. Mais grossièrement pour l'instant, ouais. Alors pourquoi je ne vois pas où jouer. Ascenseur. Ascenseur, et ici le bouton était bloqué, donc c'est l'ascenseur qui mène à là, ok. Ah, ils me disent d'aller en arrière. Ok, des mecs. Ah, ok, il y a le vent. Hé, hey, identifiez-vous. Ah, je le sens pas trop, là. Ah, je n'arrive pas. Ah. Je n'ai pas besoin d'aide, toi, monsieur. Ah, non. C'est ça que je voulais faire. Donc on va réparer l'ascenseur. Ou tout simplement faire ça. Mais ne pas le prendre parce que flemme. Cette formation rocheuse, elle me dit quelque chose. Bah quoi, tu te dis quelque chose, tant mieux. Ah! Ok. Compris. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle te dit quelque chose. C'est pour la crypte en fait. Et là de toute façon le seul chemin ça sera par là. Donc autant le faire maintenant. 1, 2, 1. Non, je sais pas s'il y aura un truc immense là-bas ou pas. Mais bon écoutez. Tant qu'on y est autant y aller quoi. Hop. Alors déjà ça, c'est pour ça que je dis, je me vois y aller maintenant. On sait jamais, les petits steams de BD, de... Ouais bah si c'est les steams de BD mais... Les petits steams tout court quoi. Les capsules de steam c'est pas mal. Hop. C'est quoi le maximum 10 vous pensez? Peut-être. De plus pour un voyageur de plus perdu et trouvé sur le chemin du pont. Ainsi, nous honorons ses efforts et faisons résonner sa voix pour toujours. Chaque cloche représente quelqu'un qui est mort pendant son pèlerinage. Ok. Non, pourquoi... Est-ce que c'est grand? On ne sait pas. Ah, ben regardez que tu retrouves encore. Et là, on a un raccourci vers ici. Et ici, je ne m'en souviens plus. Attendez. Tac, tac, là, il y a le gros cercle. Ah, si, ok, c'est ce fameux chemin. T'as pas entendu ce que j'ai dit ? Bien fait de le faire maintenant, en fait. J'ai entendu. Mais je suis pas sûr. On aurait été doublement gagnant. Le bruit, gamin ! Un pêcheur doit être maître de tous ses sens. Compris ? On est chez le poisson là, à queue éventail. Le plus grand renifleur de mauvaises odeurs du noyau profond. Tu sous-entends qu'on sent mauvais?
Ça sent pas la rose de l'Otal. T'en fais pas. Vu que je suis malin, je peux appliquer du musc de Gluttsam Krab sur ma combi. Ce petit poisson saura pas ce qui lui arrive. Allez, montre-nous. Oh, bon, pour une fois, on voit qu'à pied. Ah ouais, t'es vraiment balèze. Ah, une de mes proies les plus coriaces. Mais le lard est pas de taille face à Scuba Steve et ses arômes. Ça me fait penser. T'as contribué à quelques odeurs aussi dans le tas. Je te dois toute ma gratitude. De rien. On se voit plus tard, gamin. Ah, et si tu te rinces dans l'eau, ça me dérangera pas. Hey, arrêtez d'insinuer qu'on pue. On en revient à mon histoire sur le Grappnet. Malgré les protestations de mon cœur, j'ai abandonné la canne à pêche pour le harpon. Pendant des années, on a arpenté la bordure extérieure, harponnant tous les poissons qu'on croisait. J'avais du talent. J'avais pris plus de poissons que le reste de l'équipage réuni. Idiot comme j'étais, j'avais pas la sagesse d'avoir honte. Le féroce capitaine Wan Yekwet l'a remarqué. Il m'a noyé de compliments, m'a donné les meilleures prises. Et à peine un an après avoir quitté sa cavitar, je suis devenu son adjoint. Peu après ma promotion, on allait sur Manan pour vendre une carcasse de poisson loup. Et bam! Au moment où on est sorti de l'hyperespace et où la planète océanique est apparue, elle aussi. La plus glorieuse créature que j'ai pu voir. Une baleine à la taille pas croyable. Mais elle nageait sur l'orbite de Manan comme les poissons dans un courant par chez moi. J'étais hypnotisé. Tu m'étonnes. Vous étiez proche comment? C'est drôle que tu demandes ça. J'avais à peine posé les yeux sur elle qu'on l'a percutée de plein fouet. Le grapnel a rebondi sur elle comme un hameçon sur une épave. On a plongé droit dans l'océan et le grapnel a coulé au fond des eaux où une bande de pirates Quarren était terrée. Les zéphyrs abjects. On a traversé la coque fendue et on s'est retrouvé encerclé par les Quarren. Ils exigeaient toutes sortes de choses. Y compris notre cargaison de poissons. Donc on a fui à la nage, le capitaine Watt, l'équipage et moi. Mais on était aveugles à cette profondeur, et on a vite fini dans une impasse, de nouveau encerclés par les Quarren. Reviens plus tard si tu veux savoir la suite. En fait, du coup, on pouvait lui parler à chaque fois, en fait, au fur et à mesure, moi, ce que je lui parlais, je récupère le poisson, je me barrais. Mais en fait, là-bas, on est d'accord, c'est un truc vert, on peut pas passer. Ouais. Mais en fait, on peut lui parler au fur et à mesure pour toujours entendre à nouveau de son histoire. Ce qui est plutôt pas mal, quoi. Du coup, on va le faire, parce qu'au moins, au fur et à mesure, on entendra son histoire. Non, c'est encore pas tout d'un coup, comme la dernière fois, parce que la dernière fois, ça faisait beaucoup trop. Et c'était un peu... un peu lourd à digérer toute son histoire d'un coup. Je pense qu'on a un truc à la fin comme pour l'avoir écouté. Donc voilà, mais lui on le croise vraiment partout et en fait on a bien fait d'aller à la montagne une première fois parce que je pense que enfin, on aurait été bloqué mais en fait je pense qu'on l'aurait rencontré. Ah, je sais pas, soit on l'aurait rencontré quand même. Regarde genre, la montagne c'était pas censé être l'endroit le pont vers le sanctuaire du pèlerin. Primordial pour le trouver et dans ces cas-là bah, c'est tout quoi, c'était là qu'on allait rencontrer. Ah, en fait, il y a deux options. Parce que je suis vraiment bruit. Soit la montagne, c'était vraiment dans le primordial, on allait rencontrer, et du coup, on l'aurait jamais vu, du coup, on aurait raté plein de poissons. Soit, en fait, on aurait pu rencontrer tout ça en mode pêche. On aurait pu recruter n'importe où, du coup. Mais du coup, on aurait raté la montagne, quand même. Et du coup, là, on l'a eu directement assez vite, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ici, on a fait qu'elle avait un parchemin. Je pense qu'il faut faire un hyper saut. Hop. J'aurais besoin d'une pause. Un petit soin. Nickel. On bouge. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il y a l'air d'avoir quelque chose. Et je pense même que c'est le principal. Mais du coup. D'abord aller voir ce qu'il y a ici. Parce que ça m'intrigue.
Et bah, t'es arrivé à 2h de live, comme on est à 35 en fait, du coup, environ 2h, j'aurais fait ce que je voulais faire. On va amener ça sur Task. Peut-être qu'il y aura un live zombie. Peut-être. On verra. Et si c'est un live zombie, ce sera pas un live de 5h. Je vous le dis. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais il y a une unité impériale. Ah, bah, il y a Mérine. Je me suis dit que je devais te prévenir. Ça me va. Passe devant. Et du coup. Du coup, attends. Parce que moi, je pensais que c'était le secondaire ici. Même si t'indiquais bien le chemin et que l'autre était vraiment coché. Je pensais que c'était quand même le secondaire, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on va là-bas ? En plus, on n'est pas sans avoir rien fait, beaucoup. Ah, en fait, je peux pas. Ok. C'est peut-être pour revenir. Ok. Désolé si je tousse, hein. Et des fois, ça prend un peu, donc j'ai pas vraiment le temps d'éteindre mon micro. S'ils auraient que ça. Hein. L'Empire a trouvé un moyen d'entrer dans le temple ? Non. Mérine ? Un instant. Bah, tout réparé. Ça m'impressionne toujours. Tu n'as pas encore vu toute l'étendue de mes pouvoirs, Kestis. Hop. Et où est-ce que je vais ? J'explore tout simplement. Et oui, ma vieille. Hop. Tranquille, on a le temps, les pèlerins ils sont peut-être encore vivants, ou peut-être pas, mais dans tous les cas, on a le temps. Alors là, il y a l'air de rien avoir. Hop. Ici, c'est juste pour aller là. Let's go. Tu crois pouvoir y arriver ? Vous sentez le truc qu'on va devoir jouer avec le vent. C'est une bonne chose que ce chemin ait été tracé pour guider les vents. Par ici, okay. Cal. T'entends ça, hein ? Les ruines chantent. Ça vient de cette salle. Alors trouvons le moyen d'y entrer. Je pensais que je devais aller là-bas, mais non, pas du tout. Ouais, là-bas. C'est maintenant ou jamais. Ah, sacré saut quand même. Du coup, je pense qu'on va revenir par là, en fait, au contraire. Bon, on va peut-être dépasser un peu de 2h, du coup. À chaque fois, il me faut faire une interstice quelque part. Peut-être moins qu'on dépasse de 2h, je n'ai même pas vu le chemin, pour vous dire. Moi, je vois rien. Je saurais pas du tout vous dire si c'est le chemin principal ou pas. Je pense que Sir Task voudrait y jeter un coup d'œil. En même temps, l'autre. Ah, ça me fait chier parce que du coup. Sur la carte, ça marque qu'on l'a pas vu alors que si, il y a peut-être un truc à récupérer. Mais du coup, c'était bien ici qu'il fallait aller. L'autre côté, c'est bloqué. Donc c'est un peu con, mais du coup on va quand même faire le deux fois l'aller juste pour voir ce qu'il y a. Alors
un truc à récupérer. Je le savais. Nous avons fait tout ce chemin pour mourir ici. Aucun trésor ne vaut la peine de mourir pour lui. Ok. Alors. La force est puissante dans cet endroit. Bon. Ouais, la force ou le vent. Ouais, il y a trois trucs à tirer du coup. Il y en a un autre là-bas. Je vais tenter un truc, je vais peut-être mourir, mais bon. Je regarde pour la carte. Ah, si, c'est bon. Alors ces ruines chantent vraiment. Ok, en tout cas, c'est stylé. Mais bon. Est-ce que du coup, chaque pèlerin devait le faire et à chaque fois, les autres personnes le désactivaient? Ou est-ce que pas du tout? Et c'est toujours activé, du coup c'était toujours stylé, on va dire. Je sais pas si vous m'entendez encore avec le bruit hyper fort. Mais tant pis. Hop. Parce que du coup, dans tous les cas... Après, avant il y avait pas la guerre, donc je veux dire, les gens le repéraient de loin, mais il y avait pas la guerre, donc... Ça c'était pas grave. Ouais, des éclairs de force. Il y a des éclairs de force, mais du coup tu sais pas si c'est méchant ou pas, parce que souvent c'est... Oh, what? Souvent c'est l'Empire, quoi, qu'est-ce qui se passe? Te revoilà. Salut. Le camp de travail impérial sur Maza. La garnison est à moitié vide. Ça, c'est une partie du 1, je pense. Ça semble prometteur, mais... Mérine et Grise ne sont toujours pas revenus au vaisseau. Dès qu'ils sont rentrés, je partirai en éclaireur. Et eux, ils se reposeront. Tu sais bien qu'ils refuseront de se reposer tant que tu seras en danger. Tu n'abandonnes jamais. Et à vrai dire, c'est ce qui nous inspire tous. Mais tu dois te rappeler que là où tu les conduis, ils te suivent. C'est vrai que je force pas mal ces temps-ci, mais... Depuis que Grise a été blessée... Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à Grise. La Grise avait été blessée. On voit que le visage était moins travaillé. Tu prends trop de risques. Ah ouais, c'est peut-être parce qu'il voulait faire genre qu'il était plus jeune. J'ai tout le temps peur qu'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous. C'est pas l'un d'entre eux qui est arrivé. C'est une nouvelle équipe. Mais ne laisse pas ces peurs tracer ta voie. Concentre-toi sur le présent. Choisis-toi un chemin et agis avec certitude. Et dis-toi que quels que soient les risques, tu peux y arriver. Cal, tu dois croire en toi. Croire en la force. Exactement. Appuyez sur rond pour effectuer une ruée et sauter plus loin à travers les rafales de vent. Sauter et appuyez sur rond. Ah ok, ça nous a permis d'avoir une nouvelle capacité. On est où là du coup? C'était pas la porte rouge là? Si. On peut plus reculer. Concentre-toi sur le présent. Et on force le passage. On va même faire à deux, à triple du coup. On va devoir foncer au cœur de cette tempête. Prépare-toi, BD.
Elle a toujours su où me guider. Ok, rue. Même quand j'ignorais ma prochaine étape. Cal, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Par toi-même. Il n'y avait pas un petit parchemin qui traîne là, non? Hop, pas mal. Ok. Tu vas peut-être arriver à me suivre maintenant. On va bientôt le savoir. Que font les impériaux? Ils sont près de l'entrée. Ils attendent quelque chose. Hop. Alors on a encore du temps. C'est bien, c'est beaucoup de parcours quand même que ce Jedi Survivor. Peut-être même avec l'ancien Jedi. Avec Star Wars Jedi juste. Je dis juste parce que je sais pas, que c'est juste le titre de la saga en fait. Ah, je t'ai pas convaincu. J'aime pas la tournure que ça prend. Oh, what? Cette chose va détruire le temps. Frère Arnia, c'est toujours à l'intérieur. Séparons-nous. Je vais distraire ce monstre. Fais attention. On se retrouve à l'intérieur. Meryn va distraire l'Empire. Il me faudrait toujours écrire ça. Bon, mine de rien, du coup, on a pas avancé. Parce qu'on est dans ce temple, on va revenir au même endroit. Et là, du coup. Ok, je veux dire, du coup, on va revenir dans l'endroit que je vous ai dit là en bas. Mais ça n'a pas fonctionné. Nickel. On a toujours pas obtenu une part de compétence, c'est trop étonnamment. On va chercher ce raccourci si jamais vous me demandez ce que je faisais. Et du coup, là, l'endroit plus blanc qui se trouve quelque part par là avec le vent, il faut prendre de l'ascenseur notamment, genre là. Attendez, non, c'est pas là. Attendez, tac 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 tac. J'ai un chemin rouge, j'ai pas vu. Je sais même pas comment on y accède. La carte, c'est un peu compliqué. Hein. Là, on dirait qu'il faut courir et monter en haut. Et du coup, c'est plus bas. Là, il y a l'ascenseur vers là. Ici. Ah bah oui, maintenant il y a une porte verte. On voit ouverte. Ah c'est là. Du coup le chemin quand même. Ok. T'as, vous avez vu, pour se repérer dans la carte. Heureusement que j'ai un bon sens d'orientation parce que si t'en as pas, tu comprendras strictement rien à la carte. Je pense. Bon, ça va, pour le coup j'arrive assez bien à suivre. Hop, donc là il y a rien. Enfin il y a rien, mais si en fait il y a quand même quelque chose. On fait que des retours en arrière. Cette manœuvre va demander un peu de préparation. J'espère que Meryn pourra les ralentir. Hop. Tiens, ton boulot. Hop, c'est vraiment pratique ce petit saut. Comment ça va, BD? Je voulais voir avec quoi à côté, mais j'ai pas le temps. T'amuses bien? Hop. Est-ce que je dois tenter un saut bizarre? Oui. Ouais, maintenant on a des nouvelles mécaniques de gameplay, ça c'est étrange. Ah non, en fait on devait pas aller là, on devait aller directement là. Je pensais qu'on devait faire une pause à cet endroit, mais non. Hop. Il est en dessous.
Hop. Oui, il nous faisait un peu galéreux au début, maintenant c'est plus trop le cas, donc ça va. Bon, je regarde pas trop depuis le début si on a des chemins différents, mais... ça reste globalement les mêmes. Merde. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai voulu faire? Est-ce que vous avez vu que je me suis fail? Je sais pas si je dois sauter là ou aller là d'abord. Ah, mais pourquoi il a glissé? Bon, a priori, de toute façon, il n'y a rien là-bas, donc je pense que je dois aller là-bas. Ouais, je me sentais mal. Hop. Toujours été que j'ai pas compris pourquoi il a glissé, mais écoutez, tant pis. C'est peut-être un raccourci là-bas. Et si c'est un truc secondaire, ouais, tant pis. Pourquoi il se balance pas? Ah, écoutez. Pas trop compris ce qu'il fallait faire, mais ouais. Ouais, ouais, là-bas, là, il y avait l'air de rien avoir. Non, il y avait l'air de rien avoir. Alors. Ça, je pense que c'est pour retourner en arrière. Peut-être justement pour aller juste sur cette pierre pour pouvoir remonter. Je pense que c'est ça. Incroyable. Mais ça n'empêchera pas l'Empire de le réduire en poussière. Alors. Je vérifie si j'ai rien oublié derrière. Je pose que je dois aller donc. Ok. J'ai pas eu cette petite entrée. L'entrée n'apparaît pas sur les scanners environnementaux. Peut-être qu'ils sont bloqués ailleurs. Peut-être qu'il y a des grottes et des tunnels là-bas. Continuons à piller. Bien vu. Je ne suis pas une menace. Aïe. Aide-moi. Bébé, aide-moi. Alors ici, a priori, on est censé aller là-bas. Sauf qu'avec Meryn, ça aurait été simple. Ah. Trop cru qu'il allait s'envoler lui. C'est une belle trouvaille. Hop, un petit parchemin de Jedha, ça fait toujours plaisir. Bon après évidemment le désert on aura plein de trucs à fouiller. Du coup comme je vous ai dit on le fera pas dans ce live là. Et ouais du coup ça fait un moment que je devais vous le dire, j'ai oublié, mais du coup a priori quand on est arrivé sur Jedha, on était au chapitre 4. Et là, vous allez me dire, ok, super, parce que du coup, j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai regardé la solution. Ça, c'est ce qu'il fallait faire, hein, mais. Regardez, j'ai regardé l'émission, sur celle-là, je l'ai faite, et à peu près, j'ai. Oh, prochain. Je les ai pas faites, donc c'est tout. Ah, je les ai pas faites. Pas je les ai pas faites, mais tu vois, c'est celle où je suis, et je l'ai pas encore commencé, donc forcément, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire, je crois, quoi. Et j'ai bien compris qu'il fallait passer par là. Et du coup, a priori, il y a 6 chapitres. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et du coup, on a à peu près la moitié du jeu. Et je ne comprends pas ce que je dois faire. Ok, ah, je le voyais pas le trou en fait. Je me doutais qu'il y avait un petit chemin comme ça, mais je le voyais pas. J'ai bien fait d'essayer de forcer avec mon perso sans voir de passage quoi.
tu sais quoi faire. Un asile pour tous ceux qui le cherchent. Ça sonne trop beau pour donc être... Donc les frères Armias. Mais what? C'est un délire, ça s'éloigne toujours de plus en plus. Je dis deux heures... Deux heures mon bout, là. On va quand même essayer de finir cette quête, ça sera un peu dommage. Bon, du coup, le live zombie, ça me semble compromis. Le sanctuaire du pèlerin devrait être l'endroit idéal pour le refuge. Sa proximité avec les archives est idéale. Grâce à tes talents, ce temple pourrait redevenir un havre de paix pour les nécessiteux. Désolé à toi, ex des glitchers. En plus, toi, si t'es un peu follow pour le zombie, j'en fais plus trop en ce moment. Je suis désolé. Mais t'inquiète pas, je risque de refaire. Je vais pas hésiter à venir. Que ce soit sur le live ou tout simplement jouer avec moi, y'a pas de soucis. Si jamais tu repasses par ici. J'aimerais bien finir une de mes aventures, sinon pour être un peu plus tranquille entre parenthèses. 2. Et 1, alors on peut mettre celle-là. Frappe clivante améliore et réduit le temps de chargement des frappes concentrées. Ah c'est celle-là, c'est bien ça. Alors, il faut 1 encore. Et on voit qu'il y en a certaines on n'a pas encore débloqué aussi. Ils sont un peu camouflés. Temple du sanctuaire. Ça n'annonce rien de bon. Cet endroit ne tiendra pas longtemps. En même temps, s'il y a une forêt géante qui essaye de lui péter les gueules. C'est un peu logique. Regardez s'il n'y avait pas un chemin secondaire, mais il n'y a pas l'air. Les occupants du sanctuaire du pèlerin ont bien changé. Ce droïde sentinelle risque de poser problème. Ça m'a l'air d'être sur trois étages, ça va être un bordel. Hop. Alors là, c'est totalement raccourci où on peut se cacher dans une petite faille. Ah, je vais mourir, j'ai pas fait exprès. Mais voilà. Question, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Je dis que ça a l'air d'être raccourci, mais en même temps, les deux côtés, on a été. Ça m'étonne que je ne puisse rien faire. Et là, c'est officiellement ici que je dois faire quelque chose, mais je ne comprends pas. En ce moment, je suis un peu bloqué là depuis ce live. Je suis vite paumé et je ne sais plus de quoi faire. Non, mais je ne comprends pas ce que je dois faire. Je suis totalement paumé là. Je ne comprends pas. Et pourtant, il y a un mur là, mais pourquoi ça fonctionne pas? Ah bah si, c'est bon. Écoutez, il y a des faux. Bon, pas spécialement, mais écoutez. Pourquoi il s'éloigne? Putain, il a voulu prévenir les autres. Bats-toi à mes côtés. Reste calme et retrouve l'intrus. Hop, ils m'ont vu. Voilà. Je suis endommagé. Impossible d'avoir un bonhomme. Ils sont quand même montés. Que quelqu'un prenne le relais.
tant que t'es pas à la hauteur. On recule pas, faites pression. Hop. Nickel, on les tue comme ça, c'est très très bien. En fait, c'est pas mort, c'est juste tombé. La cible est extrêmement mobile. La cible s'enfuit. Vise la cible. Oh, il les a tous tués. Attaquez la cible. Écoutez, on les laisse se tuer. Hop. Mérine, elle serait pas trop loin. Hop. Par ici, Béné. Aïe. J'ai un peu coincé. Nickel. Pas le moment de flancher. Essaye d'éviter ça. Voilà. L'Empire n'a toujours aucune idée de ce qui se trouve sous leur nez. Mais ils vont finir par trouver le refuge. On doit continuer. Voilà. Tac tac tac, on est descendu de là, il y a une petite pièce. On va essayer d'y aller quand même. Là il y avait rien. Là ça revenait en bas. Là il y a un couloir, on dirait que ça ramène à l'étape prochaine. Et là il y a un mur rouge, étonnamment. Ouais, c'est parce qu'il y a le champ de force vert. Peut-être qu'on va avoir le pouvoir de le détruire, enfin ce champ de force. En toute chose, est-ce qu'on peut remonter? On a bien l'air. Hop. On va passer ici. On va aller là. On va peut-être même rejoindre. Je vais regarder depuis ici là, mais c'est peut-être pas possible. On va juste faire ça. Il n'y a peut-être rien dedans, mais dans le doute. Alors s'il y a quelque chose, il y a un établi, il y a ça. Il y a encore une barrière verte. Là c'est totalement raccourci. J'ai besoin de steam. Un petit steam. Du coup on va passer par là. Je crois qu'il y aura des petites bêtes là. Alors ouais. Ok. Je voulais voir s'il y avait un truc au fond. A priori même pas. Non, j'ai compris ce que je devais faire. Non, en fait, non, j'ai pas compris. Toujours aucun signe. Hop. Du refuge du passage. Je pensais qu'en fait il y avait un truc pour s'agripper sur cette plaque là aussi. Ok, donc là il va falloir choper le bon moment, genre maintenant. J'ai oublié de t'appuyer sur croix à nouveau, donc forcément. Enchanté. Est-ce qu'on va devoir se battre carrément contre le vaisseau? Il y a peut-être moyen. Ah, il y a de ses pieds coincés. Ah, j'ai fait une petite roulade dessus. Ouais, on va mettre une grosse baffe.
c'est pas le bon moment. On écoute ça vite fait. Je crois qu'il existe un vaste réseau de cours d'eau souterrains sous le temple. Parfait. Cela devrait empêcher les scanners de l'Empire de détecter nos opérations. Canaux sous terre à l'Orc Desert qui sont passés par là, peut-être en mode bateau. Là, c'est une zone de courbe a priori. Avec la forage géante. C'est juste une lumière ou un truc autre. Nickel. Non, je pense qu'il faut juste aller là. Sur carré pour plonger. Je sais pas s'il y a des objets récupérés sous l'eau. On a déjà nagé? Ouais, non, j'ai un doute. Hop. Va-t-on mourir noyé peut-être? En tout cas, une sacrée respiration. Ah, écoute, ils ont utilisé les grands moyens pour pouvoir péter le truc. Enfin, pour découvrir les pèlerins, parce qu'ils se doutaient qu'ils avaient certainement un passage secret pour s'échapper. Et du coup, ils ont pris une forêt pour tout détruire, pour être sûr. Maintenir croix pour remonter vite. À tout moment, je commence à me dire qu'on est au bon il endroit. Pète le truc d'eau. Qu'est-ce que t'en penses? Et on est mort, tout simplement. Ah, si, il y a les coffres sous. C'était bizarre qu'il me demandait de remonter vite là alors que il y avait un trou. Camino, rien. On vient de là, nous. Hop! Faudra montrer ça aux anachorètes. Nickel. Donc là-bas, faire pareil du coup. Je sais même plus c'est à qui dans les anachorètes qu'il faut le vendre. Ah si, je m'en souviens. Bon alors. Ça ouvre pas la porte. Attends, il y a une porte ouverte. Ça sert à quoi?
Ça, ça va servir à un truc à changer de rail ou je ne sais quoi, non? Ah, si, ça, je sais à quoi ça sert. C'est pas les trucs que tu tires quelque part et que tu mets dedans. Et du coup, il y a quoi? Ah, voilà. Hop. Alors ouais. Mais presque du moins. Du coup, attendez, j'ai compris. Et j'avais cru comprendre au début que ça avait la forme de la porte, mais je comprenais pas complètement. C'est pour ça du coup. C'est rien, j'arrive pas à tirer le bon truc. Allez, des appuis sur L2, ça le tire pas. Mais non. J'ai jamais essayé de demander un 10, je sais pas ce que ça fait. Ah, oh, mais non, c'est pas ça, il m'énerve à faire n'importe quoi. C'est bien, mais là-bas c'est beaucoup trop loin. On peut pas le pousser. Là-bas il y en a un, mais il est pété. Bah, il y en avait un, du moins, il est pété. Si je le laisse, ça se remet directement. Donc, faut le bloquer quelque part, mais je sais pas où. Ah, là, je suis assez bloqué pour le coup. Et je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah, si, j'ai compris. Je sais pas comment. Une idée, mais non, j'ai une idée. Bon, ouais, tu vas faire un mur, tu me mets au loin, là tu le tires. Non. Ah, faut réussir, bien évident. C'est bon, j'ai compris. Voilà, hop, au moins il arrive tranquillement. Bon, ça va, toi tu l'as mis. Voilà. Okay. Ah, c'était pas si compliqué, mais il fallait que mon cerveau il connecte tous les trucs. Regarde ça. J'arrivais pas à comprendre où est-ce que tu pouvais le bloquer, mais en fait fallait pas le bloquer, il fallait juste le tenir. Ils ont évacué les lieux dans la précipitation. Ok. Par ici tout le monde, allez! Plus vite! Vous venez avec nous? Je dois rester encore un peu. Allez-y, le temps presse. Je vais sceller le passage derrière vous. Que la force soit avec vous tous. Ok, donc c'est lui qui a créé le séisme. Je pense. Enfin, lui, je pense qu'il va être mort. Il
combat de boss. On se calme. C'est Sere Junda qui m'envoie. Maître Junda, vous avez utilisé la force. Vous êtes Kadestis. On va arriver, pas mort. L'Empire est presque là. Oui. C'est pour ça qu'il faut rapporter ceci à Maître Junda. Ses codes de contact ne doivent pas tomber entre les mains de l'Empire. J'étais sûr qu'elle allait mourir. Surtout qu'il nous donnera un truc important. Ah, Meryn. Nous on galère avec la force et elle tranquillement. Je ne peux pas tenir. Appuie sur rond pour faire la nuit à travers les portes laser verte. Ah enfin. Donc on n'a pas le pouvoir de servir un petit truc flottant, mais on peut passer à travers les portes vertes. Yes. J'ai pas charme de Meryn. Il est mort en protégeant le passage. Ah yes, je suis content enfin. On a enfin ce truc. On va pas te pousser, c'est infernal. Il est de notre devoir de faire en sorte que sa mort n'ait pas été mal. Allons apporter ses codes à Sere. Ah ça, ils nous ont repéré, elle nous tire dessus. À l'attention de ce truc. Hop. En plus, ça bien, c'est la même touche. C'était tout juste. Tu m'impressionnes. Hop. On réfléchit quand même, mais du coup c'est juste un chemin pour se barrer. Ce soir dans les chemins pour se barrer, il y a des trucs secondaires. Je vous montre pas. Le fait de passer dans les barrières de nuit, de ruée demande de force. Attends, ouais. Le fait de passer les barrières pour vénétiser la ruée de force et le salto de Jedi. Ah, le salto de Jedi aussi. Je pensais juste le truc. Hop. Et... Merde, j'ai oublié. Je me suis trompé dans les touches. Hop. Voilà. C'est galère de me tromper dans les touches. On a plein de passages maintenant. Kobo, Coruscant, bien Coruscant, tu vas pas quoi retourner. Ici avec les le chemins verts. C'est infernal. Ça va rien que je souhaite avoir. Alors dépêchons-nous. Ils sortent d'où les lasers? Ouais, fallait aller là-bas. Juste foirer mon saut en fait. On y est. Là ici y'a rien. Ah ouais, ils nous ont pas mis un petit truc à récupérer. Je pensais. Des ennemis. Let's go. On en a plus. Vous croyez pouvoir nous battre? Tenez vos positions. Pas derrière, non, c'est bon. Alors, attendez. Poids de compétence obtenue. Et j'ai pas oublié Cristal de Force qui est pas loin. Ça nous fait faire une petite pause dans la course. L'armement. Et moi, je l'avais pas oublié.
On peut prendre un raccourci par ici. Ou alors. Nickel. Essence de force obtenue. Ça l'avait déjà pris, non ? Un autre parchemin. Est-ce que ça respawn à l'infini ? Si c'est ça, en fait, c'est ça pour la farmer, en fait. Notre copain est de retour. Ah, c'est tellement bien ça, par contre. Parfait. Merci encore pour le talisman. Tu en as plus besoin que hop. Moi. On va pouvoir le mettre plus tard, c'est pas grave, le dernier. On ne devrait pas s'arrêter. On a obtenu 18, hein, c'est plutôt pas mal, quand même. On aura plus besoin que nous, bah en même temps toi vu comment tu te téléportes parce que t'en as totalement pas besoin. Ennemi droit devant. Je suis ton allié. Hop. Bien joué Jedi. Toi aussi fantôme du désert. Un gros sabre et tue tout le monde, c'est trop bien. Ennemi en approche. Lâchez rien. J'ai dans le viseur. Ah quoi, j'ai tué celui qu'on avait. Il avait hypnotisé. Reste concentré. Ça, il faut qu'on parte ici. Comment ça, il a réussi à changer sa direction entre eux? Bien joué! Allez-y, attaquez-le! C'était nul, toi! L'Empire n'a aucune idée de ce qu'il est sur le point de découvrir. On va pour autant va se taper un boss, je pense. On se sent mieux comme qu'avant. Plutôt des bisous. Parce qu'il est tellement défoncé. Là on voit qu'on fait plus de dégâts, etc. Pourtant c'est pas réellement des niveaux qu'on a, mais bon. Tu crois que ça va le faire? Tu me fais confiance? Oui, bien sûr. À quoi? Pas le temps d'expliquer. Tu me fais confiance. Oui. Mon seul doute est qu'elle allait avoir un roulage de pelle et je pensais qu'elle allait lui faire un câlin et sauter avec lui. Bon, la relation devient trop intime, à un moment elle va mourir soit dans celui-là, soit le prochain. Des chances. Non. Pour moi. Je le sentais. Elle va partir tout seul, on n'arrivera pas à la suivre. Merde, je me suis foiré. J'ai pas fait la pièce au rond. Je pensais que ça allait être un gros portail comme ça, mais qu'elle allait nous mettre directement au bon endroit. Oh, what? Il faut réussir à suivre là. Par ici le steam. Hop, j'ai vu des trucs verts là sur les côtés, donc je crois qu'il va aller sauter dessus, c'est pour ça que je tombais. Si jamais vous vous demandez pourquoi. À ce point. Bien joué, Cal. Ne nous réjouissons pas trop vite. Alors, je comprends l'effet de style. Mais quand même, bon, là, c'est un boss différent, du coup, c'est carrément un vaisseau. Un gros vaisseau tentacule, d'ailleurs.
mais où t'as juste à faire des QTE, genre tu cours, etc. Moi, je sais pas ce qu'à un moment, il y aura réellement un QTE. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai une idée, mais j'ai besoin d'une ouverture. Je sais pas comment l'attendre. Hop. Ah, on arrive à avoir un combat. Alors on fait face ensemble. Maintenant ou jamais. Si c'est quand même un QTE, t'as raison. What? On comprend pas tout, mais c'est pas grave. Je suis en train de faire l'avion. Comment wow. T'as fait ça? Un rituel que j'ai appris en retournant sur Datomir. C'est épuisant. Ça va? Ça va. Allez, apportons ces codes à serrer. On s'arrête un instant. Ah ouais quand même. Donc c'est ce que je disais, c'était un boss QTE, genre pas, c'est pas vraiment QTE, c'est pas genre ouais appuyer sur croix, rond, nana. Juste là, la fois on a dû appuyer sur R2, mais c'est les sortes de boss où il t'attaque, il te course, etc. Et toi tu dois esquiver, tu dois courir, tu, en fait tu dois essayer de te barrer, mais en même temps Baro lui te suit, donc en même temps tu lui mets des coups, puis après à la fin tu lui mets un gros coup et tu le tues, bah c'est un peu ça. Au moins ça change, c'est plutôt pas mal. Bon ça on attend toujours, genre. Tu as terminé? C'est tout bon. Alors on est où par contre? Ok. Ouais, alors regarde là du coup. Bon, on arrêtera le live quand on aura vu serré. Pourquoi le BD s'active? Oh là. Bon, écoutez, je pense qu'il y a un truc à scanner. Salut. Il y a un truc à scanner, j'ai l'impression que c'est le truc en haut là, parce que c'est quand on pose ce portique, mais je n'y arrive pas, donc... Ah, c'est bon. Bienvenue, voyageur, même si ton périple a commencé depuis longtemps. Ah, c'est pas là, le raccourci, c'est plus loin. Hop. Bon, on est vraiment juste repartir comme ça, on pouvait pas juste se téléporter. J'ai l'impression qu'on est censé la suivre quand même. Peut-être parce qu'elle va me montrer un autre chemin. Hop. Parce que sinon on se téléporte juste. Hein. On sait quand même de se téléporter pour voir si on peut. Parce qu'il va peut-être avoir un truc entre deux, mais. Moi, il a l'air qu'on peut. Heureusement, parce que faire tout le chemin. Ils sont bien gentils, mais bon. Je vois pas trop l'utilité, quoi. Avant d'aller la voir, elle, toi j'y pense, on a plein de parchemins. Meryn va rester dans le désert. En fait, du coup, maintenant, si on veut se balader dans le désert, des fois, je pense qu'on aura peut-être besoin d'elle. Donc, elle va rester. Vous avez parlé d'un scriton doré. Il y a d'autres choses à surveiller. Si vous vous aventurez dans les montagnes les plus sombres, vous pourrez tomber sur le repère d'un Sutaban Alpha. Une vile créature. Il serait sage de garder vos distances. Les montagnes, si j'y arrive pas. C'est très Jedi de votre part. Dans ce cas, je vous dirais que cette bête est rapide et féroce, bien plus que ses congénères de Baron. C'est bon à savoir. Ok, une rumeur. Éliminez le Sutaban Alpha. Un trésor de connaissances, jeune sage.
Sérénité, assemblage, là j'ai plein de trucs. Faut essayer de lui acheter des couleurs d'abord. Un objet remarquable. Impérial. J'ai besoin de ça. Impérial, noir et rouge souvent. Ce que vous avez retrouvé est une bénédiction pour nous tous. Normalement. Voilà. On va aller prendre toutes les couleurs pour être sûr. Destiné. Ça pourrait être utile. Merci. Vous avez sauvé un savoir inestimable. On prend tous les trucs de deux. Ça me sera utile. Merde, j'ai pris un truc de trop, pas de deux. Je savais que cela vous plairait. Ouais, nous en manque plus tant que ça. Votre on a pris plein de trucs. Est noble et juste. Ah si, c'est le bon, ouais. On lui a acheté plein de trucs, c'était plutôt pas mal. On fait un bon petit 2h30 sur cette mission. Serré. On n'a pas pu sauver Armias. Il s'est sacrifié pour ça. Je suis désolé. Je sais que tu as fait de ton mieux, Cal. Et les impériaux, ils nous ont pas suivis. Hé, la ferrailleur. Content de te revoir sain et sauf. Maître Cordova, vous avez trouvé comment traverser l'abysse ? Non. Mais vous peut-être, Cal. Baud et moi avons réussi à trouver des données intéressantes dans les archives. Montrez-lui ce qu'on a trouvé. Il y a des siècles, la République a établi une colonie sur Kobo pour étudier une anomalie stellaire du nom d'Abyss. Centauri Kree menait l'équipe de recherche. Ses aides à côté. Leurs premiers essais pour traverser l'Abyss furent désastreux. La République était sur le point d'abandonner le projet. Et devinez qui s'est porté volontaire pour partir seul et découvrir la planète de l'autre côté. Dagan. Grâce aux données de son voyage, Kree a inventé les compas de l'Abyss pour guider les autres vers Tanalor. La République a établi une colonie, les Jedi ont construit un temple, comme tu l'as dit, Cal. Mais cette ère de paix et de prospérité a pris fin avec l'invasion de maraudeurs de la bordure extérieure. Moi aussi je les ai vus, mais comment ils ont franchi l'Abyss ? Ils ont dû voler un compas. Mais vous en faites pas, on sera pas aussi négligents. Submergé, la République a abandonné Tanalor. Et le Conseil Jedi a ordonné à Kree de détruire les compas. Dagan Gera a refusé et s'est rebellé contre l'ordre. C'est un Jedi. Il ne s'allie pas souvent à d'autres espèces. On dirait que Revis travaillait pour Dagan depuis plus longtemps qu'on ne pensait. Donc l'ordre a envoyé des Jedi récupérer les compas. Et Dagan les a tués pour ça. Un Jedi qui tue d'autres Jedi. Sauf que... Santari a dit que Dagan était la clé de Tanalor. Peut-être que oui, jeune Jedi. Malgré mes efforts, les compas que tu as rapportés sont trop endommagés. Cependant, on a fait tout ça pour rien. Les rapports indiquent que 3 d'entre eux sont manquants. Et vous pensez qu'on peut en retrouver un ? Oui. Et Dagan a envoyé son armée les chercher. Je te demanderais bien de rester nous aider. Mais je connais cette ère. Quelle ère ? L'espoir. Cette planète est un refuge pour tous ceux qui s'opposent à l'Empire. Vous seriez du voyage ? Enfin, Gris peut réaménager le Mantis, pour vous tous. Non. Cet endroit a besoin de moi. Le passage a besoin de moi. Cordova ? Je suis navré, mon ami. Mais pour l'instant, ma place est sur Jeddah avec Céré. Laissez-moi vous donner une clé de données pour accéder aux informations, où que ce voyage vous mène. Du coup, je suppose qu'on aura soit une autre planète, soit 3 autres. Quand on s'est rencontrés, je croyais que ce qu'on partageait était... unique. Des survivants. Combattant ensemble contre l'Empire qui avait tué nos frères. Oui. Tu m'as aidé à comprendre que je ne suis pas seul. Et toi aussi. Mais la galaxie est pleine d'êtres vivants qui ont souffert autant que nous. Comme Céré l'a dit, tu l'auras peut-être trouvé un sanctuaire. Peut-être. Si on arrive là-bas. Je viens avec toi. En plus, ça fait une éternité que j'ai pas eu la possibilité d'agacer Grise. Ah, je m'attendais pas du coup. Rendez-vous sur le Mantis, sœur de la nuit.
Ok. Et bah nickel, on a réussi. La mission était un peu entre parenthèses désastreuse, mais on cherchait le compas sur Kobo. Ouais, c'est encore sur Kobo. La chute de Dagan Garo. Mais du coup, vous avez vu, par rapport à l'histoire. Bon, du coup, le mec qui gérait les pierres du chaos, c'est bien Dagan Garo. En fait, il gérait même le chef. En fait, c'était son bras droit depuis longtemps. Ok, du coup, il y a une expérience de vie extrêmement longue. Ça, c'est pas un souci. Mais, du coup, c'est lui qui le gérait. Par contre, l'histoire, j'ai pas bien compris. Genre, la République et les Jedi, ils avaient construit une colonie et un temple sur la planète. Vu qu'ils l'avaient trouvé, grâce à Dagan Garo. Donc, c'était nickel, même si c'était un peu sa découverte, c'était un peu sa planète. Ils se sont fait attaquer par des sortes de pillards qu'ils ont réussi à venir pour un réseau obscur. Ils se sont fait battre. Alors qu'il y a quand même un temple Jedi plus la République, c'est-à-dire. Donc ces pillards étaient quand même sacrément balèzes. Ils ont su venir certainement grâce à un compas qui a permis d'y aller, créé par je ne me rappelle plus du nom, mais de la meuf qui était avec Dagan Garo. Parce que c'est les premières à retrouver la planète, donc forcément. Mais plutôt qu'essayer de se venger, de récupérer la planète parce que, et de détruire le compas qu'ils ont récupéré, ou de le récupérer tout simplement pour qu'il n'y en ait pas un autre qui l'ait, ils décident de la laisser comme ça et de détruire tout le compas, on n'y va plus jamais. Pourquoi ? La République est censée faire régner l'ordre dans toute la galaxie. Et là, en fin de compte, vous abandonnez. Vous êtes fait fumer, vous abandonnez. C'est un peu con, je trouve. C'est un peu mal expliqué ou une facilité scénaristique. Du coup, l'autre, il pète un câble parce que du coup, c'est sa découverte et on l'abandonne. Là, je comprends, vous voyez. Pour le coup. Bon, sinon, à part ça, il y a toujours cette rumeur à faire ici. Là, la montagne du Nord, la fameuse montagne du Nord qu'on a entendue, elle est là-bas. Il y a aussi des portes vertes qu'on a débloquées un peu à certains endroits. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, on a fait le tour, normalement. Là, il y a une porte verte. Là, il y a une porte verte. Là, il y a la porte verte de la montagne. Là, qu'on revient ici, bon, il y a des trucs où il faut voler un peu là, avec les trucs là. Ça, c'est toujours rouge, donc on peut rien y faire. Là, du coup, il y a la rumeur. Là, on peut toujours rien y faire. Là, maintenant, la porte, elle est verte. Là, il y a le boss à affronter. Il reste quand même pas mal de secondaires dans le désert. Quelques-uns, pas énormément, mais quand même pas mal. Donc, je pense que le prochain live, on va peut-être pas partir sur du principal tout de suite. Mais on va faire vite fait du secondaire sur Jeddah parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Et regardez, on a 79 sur Jeddah. Donc, est-ce que quand on aura tout fouillé, on sera à 100%? Je sais pas. Faut voir une fois qu'on aura fait les 4 secondaires, mais il y a possibilité. Donc, peut-être qu'il y aura juste une quête principale vite fait, mais j'aurai peut-être. Tiens, viens voir ici un truc. Et peut-être qu'on débloquera un chemin lock, le copper. Parce que je me rappelle qu'il y avait une porte fermée avec des sortes de motos. Peut-être qu'on aura vite fait une mission par là, parce que là-bas, ça m'a l'air d'être grand aussi, oui. On aura peut-être une mission vite fait là, et puis après, ça sera tout. Donc, Jeddah, on arrive à la fin. Voilà. C'était plutôt pas mal. Bah, on va s'arrêter là, du coup, les gens, vous l'avez compris. 2h40, on aura fini la grosse mission, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas, du coup, on a combien, si on a fini le chapitre 4 ou pas, là. Il y a peut-être moyen, je vais essayer de regarder encore une fois. Je vous dis au prochain live. Et je vous remercie, en tout cas, du coup, d'avoir regardé. N'hésitez pas à me follow. On est bientôt à 30, il en manque juste un, donc n'hésitez pas. Petite anecdote, pas anecdote, mais parenthèse pour ceux qui me suivent, surtout pour le zombie. Notamment avec The Glitcher, les live zombies vont revenir, mais pas de soucis. Là, on a bientôt fini Dead Island, donc une fois que ce sera fini, c'est les live zombies qui vont reprendre la place en majeure partie. Donc, il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine aventure qui sera certainement Dead Island lundi. Allez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. C'était Volcano, et sur ce, les pyromanes, on se retrouve pour un prochain épisode. Mais n'oubliez pas que le feu, ça brûle.